Et salut tous les amis, c'est la Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien de m'écouter, ça va super. Pour la Woodbox, l'ouverture de la Woodbox de jeuxvideo.com de novembre, on a pour sujet le Japon les amis, j'espère que ça va vous plaire. Écoutez, je me suis pas spoilé, je sais que Mijirachi a sorti l'ouverture de la Woodbox. Et bah écoutez, moi j'ai pas regardé et du coup j'espère me faire plaisir. Les amis, j'ai encore une Woodbox à vous faire gagner, il faut partager cette vidéo, laisser un petit pouce vert si vous le souhaitez, un petit commentaire. J'attends que jeuxvideo.com m'envoie l'autre box parce que ça c'est celle du concours de Nice. Et les amis, je pourrai lancer mon concours. Donc il se lancera dans à peu près 3 jours. Normalement, il n'y a pas de souci à se faire. Et donc du coup, pour la spéciale Japon, j'ai sorti le bonnet Baudrive. Voilà les amis, et donc du coup, voici la spéciale Japon. Et comme toujours, c'est parti. J'espère avoir du Pokémon, je ne sais pas. J'ai un peu peur, je ne sais pas. Ok. Ouh, il y a un petit truc qu'on a d'être pas mal. Donc du coup, je vous explique un peu le principe de la Woodbox, les amis. Woodbox, c'est quoi? C'est une boîte qui coûte 19,99€, qui a pour un contenu de 40€. Voilà, donc... T'as compris le système? Donc du coup, il y aura un lien dans la description si vous voulez acheter votre petite Woodbox. Je vous invite à aller voir les Woodbox précédents si vous avez... écoutez, toujours pas vu les autres Woodbox. Et c'est parti avec le premier item, les amis. Bah écoutez, ce que je vois en premier, c'est ça. C'est ça, c'est une Keshen. Une boîte surprise Keshen. Voilà, tac, je vous montre. Hop, hop, hop. Bah écoutez, les amis, bah, on va l'ouvrir. Allez, c'est parti, Megaman. Allez, c'est parti, on va marquer Megaman. Donc, il y a tout cela de disponible. Et eh ben écoutez, j'espère avoir... Oh, le jaune. Le jaune. Oh, ça va être jaune, et ça serait énorme. Allez, c'est parti. Allez, les gars. La... Oh, le jaune, s'il te plaît, déconne pas. Déconne pas. Et de la chance. Ok, ok. Oh, la pochette surprise, dans la pochette surprise, dans la pochette surprise. Allez, s'il te plaît. Oh, c'est lequel? Mais elle est pas répertoriée. Ah, si, elle est là. Oh, stylé. Ok, on a eu le 2 sur 20, donc je sais pas ce que c'est, peut-être des chances de l'avoir. Vachement stylé, les amis. Vachement stylé. Ok, vraiment sympathique. Moi, j'aime bien ces petites figurines surprises, donc généralement, ça coûte une dizaine d'euros. Donc, c'est sympathique. Voilà. Donc, il y a un magazine qu'on verra à la fin. Ouh. On a un bouquin. Ah, ah, j'ai déjà vu ça, Emblem of Roto, Emblem of Roto, donc je sais qu'il y a un accent, je n'ai pas l'accent. Dragon Quest, d'accord, Dragon Quest, j'avais un jeu de DS Dragon Quest à l'époque. D'accord, donc on a un manga, d'accord. La saga mythique Dragon Quest signe son grand retour en manga avec Emblem of Roto. Donc Emblem of Roto, ça me dit rien du tout, par contre Dragon Quest évidemment. Donc je vous montre le manga, ça c'est vachement sympathique. Donc ça je pense que je vais l'offrir à un de mes amis. Ah, il va être content. Il va être content. Donc voici, voilà, le manga. Hop là. Donc je vous montre vite fait. Voilà, c'est tout neuf, les amis. Hein. Il y a la page de couverture, etc. Ah, il va être content. D'accord. Bah écoutez, c'est pas mal. Donc franchement, la dernière Woodbox, c'était pas super top, je l'avais dit. Mais celle-ci, déjà, me plaît plus. Yes. Yes, les gars. On a deux petites choses. On a un t-shirt Pokémon. On a un t-shirt Pokémon. On a un t-shirt Pokémon, mon gars. Arrête. Et ça, le type l'avait pas dit. Ah, je m'en fiche de ça. Alors, c'est quoi la taille? S, ok, c'est ma taille. Nickel, comme toujours. Mais non. Mais non. On a un t-shirt avec Pikachu. Regardez-moi ça. Oh, c'est génial. Oh, merci, Woodbox. Ah, ça, par contre, je suis super content. Ah, ça, je suis content. Forza, Woodbox. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Yes, les amis. Ça fait plaisir. En tant que fan de Pokémon, un petit t-shirt de Pokémon. Donc, moi, en fait, il faut savoir que les t-shirts de Woodbox, je les mets tout le temps le soir pour travailler, pour tourner des let's play, etc. Et j'adore. On est bien dedans. Bon, voilà, je ne peux pas vous mentir. Et donc, du coup, un petit t-shirt Pokémon. Ça fait plaisir, les amis. Ça fait grave plaisir. Ok. Alors, ça, c'est le gros plus, l'énorme plus de cette vidéo. Franchement. Faites péter les pouces verts pour ce t-shirt. Il est génial. Il est génial. Mais moi, franchement, j'avais peur qu'il n'y ait pas de Pokémon. J'ai ouvert la boîte, j'ai dit, ah, il n'y a pas de Pokémon. Et en fait, si. Alors, il reste quelques items. Bon. Comme d'habitude, hein. Le badge Woodbox. Donc, cette fois-ci, novembre 2015, avec un champi de Mario. Alors, ça. Alors, ça, c'est quoi? Ah, oh, c'est une balle rebondissante, on dirait. Ah. Oh, c'est balle rebondissante, je suis trop content. J'adore les balles rebondissantes. Alors c'est... Oh, c'est une balle de Dragon Ball Z, ça. China. C'est balle rebondissante. Non, ça, regarde.
Bon, faut savoir que je suis vraiment un enfant, hein. Je suis un enfant, il y a n'importe quoi qui m'amuse. Yeah, yeah. J'adore les ballons rebondissants, je sais pas si vous allez voir, j'adore ça, j'adore ça. J'adore les ballons rebondissants, ça a bercé mon enfance ces trucs. Avec les cartes Pokémon, tu sais, t'allais au supermarché, tu mettais une petite pièce de 1, 2 euros, 50 centimes, je sais plus, tu tournais, et là t'avais un gros rond avec plein de ballons rebondissants, et là t'allais là, c'est tac, 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 tac. Et t'espérais toujours avoir la plus belle, mais t'avais toujours la plus pourrie. Non, c'était un gamin comme ça qui était une machine. Ah, oh, c'est génial. Et là, c'est une, bah, c'est une balle Dragon Ball Z, et celle-ci a 4 étoiles. Donc je sais que Dragon Ball Z, je regarde pas. Je regarde pas Dragon Ball Z, hein, ça sert à rien, etc. Je sais qu'il y a une balle avec une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles et cinq étoiles, il me semble. Voilà. Si tu les as toutes, ça fait un dragon. Pas sûr. Ça sert à rien de me dire des choses, je ne sais pas. Donc, bah écoutez, la barre rebondissante qui fait plaisir. Alors, soit, c'est toute box, les amis. Je crois que c'est ma woodbox préférée. Genre l'aventure, la rétro gaming, l'apocalypse. Ça, c'est ma quatrième woodbox. Donc, j'en ai dit, j'ai loupé une woodbox. Je ne sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Mais c'est génial. Mais c'est génial, ça. Alors là, il reste dans les petits trucs. C'est un champignon de Mario. Nintendo Mushroom Soup. Ouais, c'est le champignon de Mario. Donc, voici, voilà, je sais pas ce que c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Bon, c'est un petit Mario, un petit champignon. Il tourne. Mais qu'est-ce qu'à quoi tu sers? Clair sourd. What? Comment ça marche? C'est quoi ce truc là-haut? Pas d'explication. Allô? Allô? Oh, oh, oh. Bon, bah, c'est pas grave, les gars. Alors, on va voir le magazine de la Woodbox. Donc, numéro 5, c'est pas 2014. Donc, oui, j'ai bien loupé une Woodbox. Alors, comme d'habitude, tac, 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 les Wooters. Ok, hop là, what the fuck. Ah ouais, ils sont chauds. Oh là là. Vraiment déterminé. On vous invite au Japon. Bon, voilà. Alors, le petit magazine qui te dit ce que tu vas avoir. Donc, il y a toujours, quand tu t'abonnes à Woodbox, il y a une méga Woodbox à gagner par mois d'une valeur de 2000 euros. Cette fois-ci, 2000 euros. Avec à chaque fois des trucs pas possibles. Ah, c'est mon rêve de recevoir. Donc, une télé 4K Sony de 1200 euros. Une figurine Square Enix de 200 euros. La Wii U avec Mario Maker à 300 balles. Et une New Nintendo 3DS pour 200 euros avec Dragon Ball Z. Mais mon gars, mais qu'est-ce que t'as? T'achètes ça, t'as une télé 4K, t'as tout pour jouer. C'est incroyable. Mais bon, la méga Woodbox, faut vraiment être chanceux pour l'avoir. Alors, ah, bah voilà. Ah, ça allait jusqu'à 6 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ça allait jusqu'à 7 étoiles, les Dragon Ball. Excusez-moi, j'ai dit 5 ou 6, je sais plus. 7 étoiles, le petit shop Pikachu. D'accord. Ok. Alors, le manga... Et les figurines. Ah, elles sont stylées, les figurines. D'accord, d'accord. Ah, je voulais la jambe. Donc là, on a toutes les figurines. Moi, j'aurais bien voulu avoir celle-ci. Là, mais j'ai eu... celle-ci. Oh, c'est pas grave, hein. C'est bien quand même. C'est stylé. Alors, on a quoi d'autre? Ah, les fameux champignons. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Champignon Mario, Mario bonbon. Pour fêter les 30 ans Mario, quoi de mieux qu'un superbe champignon en métal? Et surprise, il contient des délicieux bonbons à la cerise ou à la pomme. Qu'allez-vous ranger à l'intérieur? Il y a des bonbons à l'intérieur, les gars. En plus, ça, la cerise, c'est mon parfum préféré. J'ai rien sous mes cheveux, hein. Je suis coiffé normal. Hein. C'est juste pour la Japon. Hop là. Il y a une étiquette, il y a le tag du truc, parce que c'est un voisin de peluche. Mais... Ah, mais comment on fait pour choper les bonbons, mon gars? Je veux les bonbons. Oui. Ah, d'accord. D'accord. Regardez. Hop là. Les bonbons. Les bonbons, ce qui n'en reste en tout cas. Ok, hop, on va tout foutre ça là-dedans. Tac, tac, tac. Moi, je vais garder la balle rebondissante avec moi. Là, je suis à bloc. Donc, vous allez voir cette vidéo. Donc, du coup, je vais embarquer ce petit bouquin. Hop là, hop là. Hop, et on va goûter un bonbon. Alors, ah, ils sont en forme des champignons. Génial. Hop, alors, attendez. Attendez. Ça va être compliqué. Ah, les amis, c'est énorme. Alors, tu vois, le magazine qui sert toujours. Le magazine, il sert toujours. C'est pour ça qu'à chaque fois, je le lis dans mes vidéos. Enfin, je le lis. Vite fait. Hop là. Oh, putain. Donc des petits champis. Allez, c'est parti. What? C'est hyper acidulé, je sens plus ma langue. Ça, de quel? C'est comestible ou pas? Parce que c'est comestible.
Mon dieu. Ok, bah écoutez les amis, c'est la fin de cette woodbox. Mon dieu, mais ça m'a dégommé. C'est la fin de cette woodbox. L'item phare, je vais pas faire un récap. Item phare. Balle rebondissante pour moi parce que je suis un grand enfant. Tout le monde le sait, l'enfant de YouTube, comme toujours. J'aimerais balle rebondissante. C'est, pour moi, c'est un débat jusqu'à temps qu'elle atterrisse dans une gouttière. Et un t-shirt Pokémon. Et ça, c'est génial. Je l'essayerai bien devant vous, mais j'aime pas montrer mon corps, tu vois. Donc voilà, le petit t-shirt Pokémon que je porterai dans une prochaine vidéo, peut-être dans la prochaine woodbox. Les amis, je vous invite à laisser un petit pouce vert à cette vidéo. Essayez de tenter cette woodbox. Donc ça lancera dans 3-4 jours, les amis, le concours. Ça va arriver. Ne vous faites pas de soucis. Partagez cette vidéo à tous vos amis pour qu'ils essaient de découvrir cette woodbox. Let's les amis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors ce baba était complètement what the fuck. Je vais faire comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ça c'est mon baba. Voilà, je veux tout, je veux pas couper. Bye bye. J'adore les barres bondissantes. J'adore les barres bondissantes. Fuck. Fuck.